Il peut être doux, sucré ou amer et fort en bouche, le chocolat est un incontournable de Noël. Dans les chocolateries, il est vendu avec cérémonie comme une pierre précieuse. L'accent est mis sur une qualité irréprochable et ça plaît aux clients. Les avantages, c'est qu'on est sûr que ce soit très bon. Donc, il vaut mieux en acheter moins et puis en acheter dans une chocolaterie. Le chocolat se trouve aujourd'hui partout à prix bas, enfin surtout dans les supermarchés. Dans les boutiques spécialisées, l'achat d'une boîte peut constituer à elle seule un budget assez important et pourtant les clients continuent de pousser leurs portes. Pour ce chocolatier, le prix est synonyme d'un savoir-faire traditionnel et social. On est vraiment des artisans, on a un produit qui bien entendu est plus cher que le produit de grande surface. Maintenant, nous on garantit aujourd'hui que ce ne sont pas des enfants qui vont cueillir les fèves de cacao pour les produits que nous on vend. Puis nous on a un produit uniquement avec du beurre de cacao et pas avec des matières grasses végétales. Donc ce qui fait qu'on a une longueur en bouche, on a quelque chose qui reste, on a quelque chose qui est persistant. C'est-à-dire si vous mangez un chocolat de chez nous, une demi-heure après, vous avez toujours le goût dans la bouche. L'importance du goût. Dans cette autre chocolaterie, le cacao est vu comme un véritable art culinaire à la française. Le chocolat, c'est de la gastronomie et les gens font la différence. Donc l'importance du produit à la base, d'apporter des nouveautés, des créations originales, surtout en matière de goût. Ces artisans chocolatiers font en moyenne 40% de leur chiffre d'affaires pendant la période des fêtes, de quoi encourager leur imagination.